Bonjour, bonsoir la famille, comment nous y est? C'est un plaisir pour m'avec vous, jeudi, une autre fois encore. Dans l'émission parlant, mon éditorial avec Yannick, côté n'a continué, même séance, n'a continué par les pays, n'a continué à analyser situation pays, questionner comportement acteur, différents acteurs dans la vie nationale, là. Et pourquoi pas venir avec des éléments de solution, proposer des éléments de solution qui ka aider nous jouer un changement n'a cherché à pour pays. Faut que moi dis nous honnêtement, m'pas seul jeune en Haïti qui a fait un travail de conscientisation. Il y a quelques amis qui ont dit oh Yannick, peu pour en Haïti, ou pas peur nèg sa yo à tout faire aux criminels. Bien c'est pas seul Yannick qui sous terrain qui a motivé population, qui a calé le peuple, qui a pralé les oreilles chaque grain haïtien pour changer comportement. Pour yon bataille pour l'autre société qui a abouti avec yon l'autre pays. Je dis, on m'a invité surprise pour une émission. Un jeune garçon qui a un discours rassembleur, qui a un discours qui a motivé en tant qu'haïtien sous tes bliers citoyenneté, sous tes bliers attachement, sous tes bliers appartenance, soit abouti ça, libéral force songer qui est souillé, koto sorti. Li pral fò sonje que héritage nou gen la, ti bout tè sa nou gen la, c'est pas un cadeau lié. Son bout tè, zansèt nou yo te batay ki te pou nou, et sou bout tè sa, nou se grand moun, nou se met pays nou, nou se grand moun la kay nou. C'est pas un petit groupe nèg, c'est pas un petit groupe oligarque, c'est pas un petit groupe nèg dans secteur privé, c'est pas un petit point politicien, c'est pas un petit point criminel dans tête l'état qui pou vinn a tyranniser nous, a marcher sous nous, a humilier nous, a violer droit nous, a violer liberté nous, et journée aujourd'hui en tant que peuple, en tant qu'haïtien, nous plus fort que yo et nous choisir faire silence. Non, faut que bagaille ça fini. Faut que bagaille ça fini en tant qu'haïtien, en tant que monde. Faut nous commencer préparer nous pour nous assumer responsabilité nous. Assumer responsabilité nous. Non. Façon n'a choisi défendre pays nous, notre façon n'a pas choisi réagir pour nous porter une réponse bay vagabond bay criminel za yo journée jodi an la qui a terrorisé nous journée jodi an la qui voulait mettre nous dehors pays an, qui nous dehors pays an, nous même qui dans diaspora faire nous comprendre que pays an c'est pour yo, c'est héritage maman yo papa yo seulement, etc. Comme quoi nous même comme haïtien nous pas gain droit tout pour nous défendre intérêt pays nous pas gain droit pour nous vivre dans pays nous tant que monde bagay ça yo faut qu'il fini yo doit suspendre. Avant m'accueillir invité hein, faut moi rappeler nous projet fin d'année, ça extrêmement important. Jou yo a avancé, projet a tout li a avancé, parce que nous là pour nous supporter, c'est pas seulement chercher discours rassemble, porter discours rassemble à motiver nous, faut nous accompagner moun ki pi faible. Dans l'idée ça, je nous toujours fait chaque année, n'a continue faire année à là pour fin d'année, faut nous créer conditions sous 1er janvier pour nous porter bay moun sa yo qui nan nécessité qui nan besoin. M'a rappelé li, nous gagne organisation moun qui handicapé, moun qui a mobilité réduite, c'est yo même pour fin d'année pour nous porter sous plan la caillou sous traditionnel 1er janvier pour yo gagne nan bol yo pour au moins yo senti gen moun ka penser avec yo pas pour kò yo dedans pays yo pas abandonné dans société agent pile moun fait yo kwèl la. Par rapport avec situation ça ou même qui veut supporter ou même qui veut aider et déjà m'a profité remercier toutes amis qui contribuaient dans façon pa yo ou même qui veut aider ou ka toujours relem écrire dans numéro émission 38 96 38 19 dit mais comment madame Yannick mais comment m'a bay contribution mais qui ça me ka faire mais qui ça me pas ka faire c'est toujours un plaisir pour ma pour moi accueillir n'importe gens ça y est. Et bien sans perdre du temps son plaisir en l'autre fois encore me dit nous ça parce que moi-même depuis ces jeunes qui a fait bagarre qui positif dans le pays depuis ces jeunes haïtiens qui conscient haïtiens qui pas peur mettre pied à terre pour yo bataille pour yo défendre intérêt pays yo c'est toujours un plaisir un honneur pour me recevoir sur plateau. Et bien jodi an invité nous dans l'émission c'est Passeus Jovenski c'est Fleur juriste chef d'entreprise entrepreneur café nono et théologien. Passeus, c'est détenteur yon master en métaphysique, psychothérapeute. Li et Passeus, c'est également fondateur et fondateur VCH.
Li c'est coach en développement personnel et c'est créateur la foi holographique. Donc c'est un véritable plaisir pour nous gagner là jeudi sur plateau. Nous pral parler pays, nous pral débattre sur situation difficile que pays a connait là, sujet en ce qui s'altéye, thématique en ce qui s'altéye. C'est Haïti face à une fuite constante de cerveaux et de capitaux, comment y remédier. Bon créole, journée aujourd'hui là, pays en face avec une situation côté que jeune yo, tout le monde voulait quitter pays. Jeune yo a fui pays, y a vend bien yo, y a vend moto, y a vend terre, y a vend caille, y a couru quitter pays, prend bateau aller. Des séries d'entrepreneurs, moun ki te gen business dans le pays, vend tout ça yo te gagné, prend l'argent aller à l'investir l'autre côté. Et situation ça son véritable entrave, son véritable danger pour Haïti, pour pays, pour société. Qui ça nous a fait? Qui ça qui doit faire? Qui ça qui mérite fait? Avec Passeus, nous pral parler. Bonsoir Passeus, bienvenue dans l'émission Mon éditorial avec Yannick. Moi content avec vous aujourd'hui, hein? Comment y est? Bon, madame Yannick, plaisir à partager, parce que plus plaisir, c'est pas pour lier, c'est pour nous-mêmes qui gagnons opportunité ça pour nous parler avec audience TAC 509, surtout dans l'édition et dans l'émission éditoriale là, pour nous capables d'essayer d'ouvrir l'antenne Mounio sur une série de paramètres qui ont été ignorés, mais à partir de jeudi, on va avoir l'autre compréhension de eux et on va même commencer des acteurs de changement, parce que c'est ça pays a besoin, plus monde qui conscient qu'à prendre l'initiative tant qu'on même, tant qu'on TAC 509, pour nous faire un effet multiplicateur pour gagner moins d'ignorants dans la société et comme ça, pour nous capables de jouer le chemin de développement tout le temps. Merci. Nous partons la belle émission. Ah oui, tout à fait. Moi, j'ai annoncé public là, je dis là, on a gagné un thème qui est extrêmement important. Déjà, m'a invité tout le monde qui est là, qui a tonne vidéo, qui a tonne émission pour partager les vidéos parce que ça vraiment émission je dis là, sous son haïtien qui conscient, sous son haïtien qui t'a aimé l'autre société pour l'autre pays, faut garder émission ça, faut tendre discours ça, discours rassembleur ça que Passeus pour le partager avec nous là. Je tiens dans l'émission, ouais. N'a pas gagné pour nous parler et de une situation qui est extrêmement difficile à vivre dans le pays. Et moi, je vais passer ce terme en français, côté que nous avons parlé à Haïti, face à une fuite constante de cerveau et de capitaux, comment y remédier? Eh bien, n'a pas mettre en bon créole pour nous. Je tiens là, nous avons une société, nous avons un pays, côté que chaque jour, bon Dieu mettait, jeunes, ils ont couru quitter le pays. Hein? Des professionnels qui étaient ka utile pays, qui étaient ka utile société, qui étaient ka servi pays, des entrepreneurs, moun yo vann tout ça yo te gagné, yo allé. Tout moun jodi an la, yo plus envie quitter pays, courir aller que yo rete goumen en dedans pays. Passeus, nous constatons nous non société, nous non pays côté que près de 60% population c'est les jeunes. D'après vous même qui ça qui à la base de dégoût ça? On dirait bien que jeunesse l'a gagné certain dégoût vis-à-vis de pays qui fait tout le monde envie fuir pays, il a envie quitter pays, aller, yo pas vle rester gourmet en dedans pays. Qui ça qui a la base et de ça de situation d'après vous même. Bon, merci un peu madame Yannick pour question ça et nous pensons que nous pas pour inventer la roue. Sous question fuite de cerveau en Haïti, il y a un article en 2019 que le Nouvelliste a écrit qui te dit que 92% monde qui a quitté le pays, c'est des monde qui gagne détenteur d'un diplôme, d'un licence et même de master ou doctorat. Et c'est ça que fait, il a remarqué que 95% médecins que haïtiens formés quitté le pays et même médecins Haïti te bay bourse pour étudier. Cuba, yo tourne Haïti, système n'a pas recevoir, yo aller dans l'autre pays, yo passer matin pour yo installer. Ça vient de faire qui ça? Ça vient de faire que tout Haïtien qui vit en Haïti, qu'ils sont jeunes, qu'ils sont socioprofessionnels, qu'ils sont jeunes entrepreneurs, qu'ils sont jeunes qui ont conscience politique pour faire bagarrer différemment, à chaque fois qu'ils commencent dans des démarche pour porter un changement, ils tellement pour qu'on la donne, au final, ils sont vagues. Et c'est ça qui a expliqué clairement, nous gagnons en forme de système, je dis en Haïti, qui s'y tient sous exclusion sociale, disparité, avec, le plus souvent, corruption et impunité. Corruption et impunité, en plus, parce que
tout le monde qui est capable de vivre dans le pays, ouais que c'est on m'a dit à la tête. Et surtout, famille, proche, faire comprendre que est-ce que c'est au cas de changer le pays. À chaque acteur qui a une responsabilité, moun qui c'est citoyen lambda, vinoué que c'est pas le café, parce que acteur ça a eu, qui est 5 éliés avant, y'a tout le monde. Premièrement, on a besoin de l'État. L'État qui gagne deux dimensions là-dedans, pour me pas dire trois, l'État a bon parti. Élus locaux et l'État ont parti fonctionnel l'État. Et mais l'État irresponsabilise tête, l'État baille vague, et je dis, on va regarder bien, l'État plus après l'ordre que l'État a des politiques publiques qui adaptées avec problèmes ponctuels. On regarde international. Je dis là, l'international qui t'a doué là pour bailler et canaliser des investissements directs de l'étranger, n'a pas conscient bien que, année à malgré qu'on baisse la question transférée, l'année dernière, DRHT, tu as environ 4,1 milliards de dollars américains transférés, année à l'allié environ de 3 milliards, et presque même déjà avec 2019-2020. Eh bien, nous avons constaté que l'investissement direct étranger, moins que 200 millions de dollars, pendant que diaspora a envoyé des milliards. Ça veut dire qui ça? Zami nous yo, pas zami nous vrai, pas canaliser nous vrai, pas aider nous vrai. Pendant ce temps, nous avons gardé des comptes qui ont dépensé dans des autres bagages futiles qui parlent directement dans le développement pour la société. Ok, troisième acteur, c'est le secteur privé. Le secteur privé des affaires où il y a des mondes là-dedans, des éléments qui sont antinationaux. Ça veut dire que c'est des mondes, c'est des consuls de l'autre pays qui a fait commerce. Là. Exactement. Qui fait que à chaque fois où il y a une classe économique qui veut émerger, ils font d'appel en solide, soit pour quitter le pays, pour kidnapper ou bien ils assassiner. Et ça, c'est des exemples qui tracent pour faire tout le monde qui veut construire un réseau de nègres bourgeois ou de secteurs privés éclairés qui passent à son importation mais qui n'ont production, ils font peur. Et n'a pas dit bien, ça n'a pas commencé là, il commencé depuis après 86. Et pour quatrième composante qui c'est classe politique, ça, dans tout système, c'est structure de socialisation politique et les partis politiques là qui construit dirigeants pour classe politique là. Je veux dire, en Haïti, nous pas de parti politique parce que pas de vision, pas de projet société, pas de alternative, pas de offre politique. Et grand vide ça pour offre politique, pour alternative, pour projet société, pour position politique publique adaptée avec problème nous, que parti politique n'a pas créé, vient faire que c'est le monde qui a un cob, qui fait hold up nos politiques là, c'est le monde qui a un aura, qui a un capital social personnel déjà, qui rentre dans la politique, qui vient faire que son mouvement individualiste chronique qui continue, c'est deal qu'a fait, mais pas gagner cohésion pour nous toutes pour ton réponse avec des problématiques sociétales. Et en dernier lieu, ou gagner en société civile qui a fait sous-traitance avec des ambassades, avec des organisations internationales, comme les Nations Unies, CARICOM, OEA, et Union Européenne, quelques ambassades, toute organisation de droits humains en Haïti, puis fort organisation de droits humains en Haïti, puis fort organisation dans la société civile, là, leur récit, joint moyen pour son projet, c'est pas cotisation des membres qui baillent, c'est pas alliés qui baillent, mais c'est plutôt l'international. Et l'international l'a canalisé sur des bagages très futiles. Formation sur question genre, mais qui est important, mais en même temps tout qui grimpe l'hypocrisie d'elle, formation sous question VIH-SIDA, mais on pas garder bien côté de formation sous question, sous des problématiques tant qu'on agriculture, sous des problématiques création d'emplois, sous des problématiques tant qu'on construit un système de employabilité qui a fait que l'on jeune sorti dans l'université est capable d'intégrer le marché de l'emploi. On pas joindre des bagages qui consistent. Et leur récit à Baou. Bousse, je vois de bousse sous art, sous culture, à la rigueur sous psychologie avec et sociologie, mais on parle de bousse sous médecine, de bousse sous mathématiques, de bousse dans la question de gestion politique publique, mais c'est plus maîtrisé au bord. Ça veut dire, je viens d'un volo pour faire un premier travail et que mon premier travail qui n'est pas fait vrai. Il n'a pas aidé nous tout bon. Nous faisons la radiographie ça pour nous montrer que acteur tout bon qui cause fuite de cerveau ça, dans la société, c'est l'État.
c'est l'international, c'est le secteur privé, c'est classe politique, ça, et c'est le modèle société civile qui n'a pas participé, mais qui a fait un job ça, qui cause que je dis nous laguer au désarroi, nous laguer pour quoi. Comment résoudre ça? Parce que j'aime pas étaler les problèmes pour ne pas proposer des solutions. Okay. Parce que nous, classe politique, qui depuis la nuit des temps, pour me battre depuis 86 ou depuis après l'an mort en pire, je n'ai pas jamais gagné le bon sens pour questionner comment et pourquoi dépasser cette réalité. Je suis plus fort à faire la radiographie sur ce fait-là. Alors, nous-mêmes, nous ne pas plaignés parce que nous sommes des mondes qui sont équilibrés. Nous ne pas frustrés malgré les conditions pour nous frustrer. Mais plutôt, nous avons ramassé responsabilité générationnelle ça, que la vie ben, nous, pour nous dire une fois pour toutes, ce n'est pas chinois qui prend le fait. Nous pas gagné l'État. Nous pas gagné un international qui a fait des coopérations progressistes, nous pas un secteur privé qui a créé emploi, nous pas gagné une classe politique qui dynamique, nous pas une société civile qui a créé cohésion, qui a prêché cohésion, eh bien, qui est-ce qui a bon nous? Nous-mêmes, nous voyons qu'en Haïti, que moi-même, parce que l'USVCH nous créé, nous venons avec un programme qui a été sous 10 ans, qui est nous, c'est présent. Nous, c'est présent, c'est qui ça? C'est faire chaque Haïtien conscient que je dis, ce n'est pas l'État qui a fait. Parce que nous pas qu'être bagaille. Si nous te faisons sans l'État, le conseil nous a payé l'État. Ça, c'est qui ça? Par exemple, nous avons trois exemples clairs pour vous. Madame Yannick, mm-hmm. Tout auditoire là, pour nous montrer que Haïtien, si nous te prenons tête au sérieux, déjà nous dégoûtons l'État. Haïtien, si nous te prenons tête au sérieux, déjà nous avons l'autre coopération internationale là. Haïtien, si nous te prenons tête au sérieux, déjà nous avons l'autre secteur privé des affaires, on l'autre classe politique, on l'autre société civile. Alors le comment? C'est à travers des habitudes avec des traditions qui pas bon pour nous changer. Exemple, pas parler de femmes mal, parce que force toute femme ici dans sous capacité au gain pour résoudre le problème ensemble. Mm-hmm. Deuxièmement, c'est pas dit qui ça pays a fait pour, parce que pays a un bon soleil, un bon terre, mes amis, c'est nous pour la stabilité. Et stabilité a sorti dans qui gens nous est la vie nous soutient. Ça faut nous un projet ensemble. Faut que nous pas dire depuis la Guinée, depuis la Guinée, depuis tout le monde. Non, faut que nous avons l'autre narratif. Faut que nous avons un narratif productif, spirituel et cohérent. Je dis à là, le plus que important pour nous dire à Haïtiens que maintenant l'État a ramassé Fatra, l'État fait son seul à Fatra. Et je dis à maintenant l'État, pour retirer gang, l'État fait son seul à gang. Regardez comment on n'a pas appris que au publiciste, au jeune garçon qui chargeait talent, qui était qu'à remplacer et Micha, comment il est rentré dans le cocodaille à gang jusqu'à ce que je dis. Gang si est gang pour pas quitter l'identité le sorti quand même. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire nous sommes cap venir là dans cette de vérité que nous vivons avec eux là parce que nous ne connaissons pas, qu'il y a caché. Là, on va le sortir des gens qui vont le faire stroke. Parce que la société a crasé déjà et l'État qui t'a crasé. C'est nous qui pouvons prendre responsabilité comme vivants pour nous dire. Nous pas passé, nous pas futur. Nous, c'est présent. Parce que il y a trop de monde qui mourit. Il y a trop de monde qui peut mourir mal. Mais nous, nous ne savons pas là. Nous-mêmes qui vivons, il faut nous préparer aux bagailles. Car différent tout le monde nous. Parce que nous n'avons pas tant de trentaine pour nous gang. Ils ont 25 ans. Ça veut dire qui ça? Ils ont 25 ans. Mm-hmm. Ils ont 25 ans, 98, 17. Je dis à la Timon Cafette là, on ne peut pas tout le temps ça pour commencer à envahir nous. C'est nous qui pour planter stabilité nous besoin. Acteurs, secteurs, pas conscients. Mais l'important, je dis là, à travers Taxe 509, pour nous passer message là. Fin de cerveau à Fol Campé. Et là, Campé, c'est le Haïtien qui commence à dire que Haïti, son côté, mon cas vive. Et faut qu'il vive là-dedans pour qu'il attire monde. Vivre là-dedans. Parce que tout autant nous dit son côté pour mon faire comme c'est pas côté pour mon vivre. La fête carré fait comme là pour nous bouler Saint-Domingue, en France, Canada, mais au final, la grande majorité sera toujours dans la classe parce que pas une élite qui a construit comment pour mon vivre là. Et c'est ça, ben, c'est pour nous faire. C'est pas vrai, ça pour nous parler plus. Pour nous, son goudou cérébral. Notre plus fort monde dans la société à qui monde toujours, et puis pour faire un fond commun, pour ça y a faire, capable de faire un effet multiplicateur pour renforcer l'État. Parce que je dis à la lipa l'autre, c'est la famille qui peut prendre responsabilité pour renforcer l'État. Parce que tout problème dans la société à la sortie à la base dans la famille. Et la famille grandit dans l'impunité, la famille grandit dans la corruption, et mais tout le monde qui vit dans l'État, c'est nos familles aussi. Honnêtement,
honnêtement, parce que l'argumentaire est tellement intéressant, m'obliger à prendre tout le temps pour me donner sans que je pas même essayer et poser question questions et placer mon pamna. Et m'obliger à faire un petit corps pour nous avancer parce que j'ai des questions qui sont extrêmement intéressantes pour me poser. Et par rapport à la situation que je dis, on a vivre dans le pays. Côté que vous avez regardé, nous avons une société côté tout le temps son seul débat qu'a fait, une majorité silencieuse. Majorité silencieuse, hein, on dirait bien, m'a mettez le sous toute réserve, que y a une certaine complicité avec ce qui a passé aujourd'hui. Le fait que majorité y a accepté volontairement pour un petit groupe nèg dans tête l'État qui a tyrannisé, yo, qui a marché sur yo, qui là au lieu y a porté solution avec problème pays, porté solution avec problème collectivité, au contraire nous c'est fourrer mes prends, c'est créer plus situation de confort, c'est financer gang, financer violence criminelle. Yo pas la autorité aujourd'hui là, yo pas là pour yo porter solution à problème yo. Malgré ça, au lieu que yo réagit ou a une certaine passivité, tout le monde fait silence, y a tant aujourd'hui, y a tant c'est l'État qui vient résoudre problème yo, alors que l'État son facteur de problème là. Exactement. Donc, qui ça d'après vous même qui expliquait passivité ça? Est-ce que moun yo yo seulement yo attend la main du ciel côté que m'pa connait si international là ou bien bonjour comme il a prié etc. Oh bonjour il a pleuvé il a jeune l'autre Haïti qui ça qui expliquait passivité ça qui ça qui expliquait jodi an là que haïtien pas avlé sous que koyo dirait que yo pas croire dans bataille pour changer pays mais yo tout espéré un autre pays. Bon, moi pense que depuis l'aime petit m'a grandi ou même tout comme ça madame Ernick haïtien toujours croire dans bon Dieu bon ça veut dire nous pas croire dans planification. Nous pas quoi dans un rien qui rationnel, nous plus quoi dans miracle. Et c'est qu'on s'allie culturellement la gagne nous. Au lieu de nous prendre pour nous regarder qui ça qui fait qu'une bagage de résultat, nous plus dit c'est diable qui a mangé. Et c'est qu'on s'allie. Mais qu'on y a là, par rapport avec tradition de monde qui croit dans miracle, ça, qui ça, nous-mêmes, je dis, parce que faut nous garder le bien. Responsabilité, ça, c'est deux mondes qui gagnent. C'est les agents de socialisation et nos élites. Et nous sommes notre radiographie à la côté que nos élites, ils ont déconnecté à la réalité du peuple. Ils ont déconnecté à ce narratif-là. Et à chaque fois, le peuple a un narratif qui veut changer bagaille, eux-mêmes, ils viennent avec une autre histoire. Regardez là, dernièrement, nous sommes passés 4 mois à l'engouement pour descendre au gaz. Au final, nous acceptons, et même là, on va mettre 150 jours, encore en janvier, sous gasoline, ça veut dire, mais yo, ouais, qui vient pour rejoindre, parce que, bon complicité dans l'élite là, et puis agent socialisation, yo, fonctionnel totalement. Là, m'a parlé de agent socialisation, moi, je fais radiographie là-dedans, j'aime tout faire, la question élite là, ou bien la famille, ou bien l'école, ou bien l'église, en parenthèse, l'État. Et bien, l'organe agent socialisation, ça, qui vient pour objectif pour un monde potable social, pour un monde qui vive dans la cohésion dans la société, là. Yo faillit à objectif, yo ça peut arriver le sang, ou pas gon foule, ou pas gon peuple, ou pas gon ken conscience, ou ken sentiment d'appartenance, et c'est ça qui arrive là. Je dis là, gen deux bagages qui ka fait. Gen révolution, gen révolte. Révolution, Jean Staline dit, c'est l'affaire des techniciens. Révolution gon avant, gon pendant, gon après. Mais révolte là, lui-même, son soulèvement populaire qui juste en forme de ras-le-bol par rapport à un mécontentement, et que nous défait pendant 4 mois là, mais le bagage suivi. Parce que, révolte là, il n'y a pas de intelligence, il n'y a pas de système de pensée pour lui faire avant préparation, pendant exécution, après suivi. Qui veut nous faire que, pour nous sortir de ça là, on a besoin de diaspora avec la jeunesse pour son mariage, parce que je dis à la force de travail avec une victime plus de sa guerre, c'est la jeunesse. Et la diaspora, pour qui ça? C'est parce que la diaspora, nous gagnons environ 3 millions de monde, et même plus, parce que c'est assez chiffre de RH pour année rapportée par 2020-2021, je dis que il y a 3 millions d'Haïtiens qui vivent dans la diaspora. Et c'est eux-mêmes qui t'ont voué 4 milliards de dollars l'année passée. Et bien 3 millions d'Haïtiens, ça, vous allez expliquer bien, vous allez faire saisir 4 milliards de dollars voués pour nous l'année dernière. Ce n'est pas tout comme ça, ce n'est pas celle ça, ce économie diaspora qui vaut entre 57 milliards et 60 milliards de dollars américains.
Ça veut dire que ça, si nous avons l'État, nous avons besoin d'investir dans le pays, nous avons besoin de prendre frais du côté de l'économie. Si nous avons besoin de stabilité, nous avons besoin de côté de l'économie, de faire des jobs toujours d'ailleurs, et pas de job, nous avons besoin de tout économiser. C'est des hommes battables, c'est des lois battables, parce que c'est des immigrants, ils ne sont pas nationaux, ils ne sont pas une petite terre. Ça veut dire, je dis à la jeunesse qui a vivre dans le pays, trois fonds symbiose à tête pour offrir stabilité sous terre ça pour investissement 27. Là, ça, c'est pas étranger, c'est diaspora qui va le faire. Qui ça? Nous pas besoin de plein par l'État, ni secteur privé. Parce que l'État, ça va le craser dans le jour qui va venir. Spirituellement, nous avons des bagages qu'on n'a pas de connaître. Haïti pas va vibrer sous système politique, encore va vibrer sous système spirituel. Il n'est pas président. Parce que nous-mêmes, comme peuple noir, nous ne sommes pas un peuple hasard. Nous sommes un peuple qui est là pour briller sur la terre et nous sommes le premier peuple qui fait respecter quatre générations des droits de l'homme depuis 1804. Pendant aujourd'hui, nous sommes une première génération des droits de l'homme qui a respecté. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que ce n'est pas un bagage qui est seulement un couple politique, et spirituel. Il faut nous chercher contre tête, nous. Parce que si nous ne sommes pas vous, nous ne sommes pas baillés, tête ou sauvés. C'est ça que fait aujourd'hui, nous ne sommes pas à nouveau. C'est moi qui a besoin nous tout ça. Vle. Et malgré ça, nous prenons quand même parce que nous ne pouvons pas être nous plus. Et bien, c'est fierté ça pour nous chercher. Je dis là, émission sont prétexte pour nous fouetter orgueil jeunesse haïtienne, non? Fouetter orgueil diaspora parce que c'est eux qui premier victime de toute instabilité ça. On regarde un seul de monde qui fait caillou dans le pays, qui fuit, qui quitte caillou là. Parce que, il y a une zone qui fait quitter. Pendant qu'on finit d'investir 250 000 300 000 américains. On regarde un seul de jeunes qui prêt pour apprendre et puis bandit fait un la caillou à l'école. Année dernière, pendant qu'il y a été retiré 2 milliards de gouttes sur subvention, il y a 55 000 si qui parlent l'école. Année à là, l'école ouverte avec 300 000 si en ligne, pendant et 3 millions qui étaient à l'école. Ou bien t'as gagné 2 700 et c'est 4 millions qui doivent à l'école, ou t'es environ pendant 2 premiers mois, gagné 3 700 000 simons qui parlent à l'école. Mais ça veut dire que, pas bon l'État qui gagne conscience pour faire bagaille. C'est nous qui conscient, qui victime, qui pour suspendre, mais qui pour prendre force par rapport à ça, nous y est tout bon. Qui sont peuple liberté, qui sont peuple spirituel dans le monde et capital spirituel mondial pour nous commencer à faire lobby sur ça pour attirer l'autre monde. Mais avant l'autre monde venir, il faut nous-mêmes nous arriver là-dedans. Il faut nous gagner cohésion. Ça veut dire que le pays a besoin de mouvement qui pour faire nous chita sous présent, nous, pour nous mieux préparer à venir. Nous. Parce que je dis, si nous gardons qu'un pays ancien esclave, on a tous esclaves, mais il faut nous garder que nous sommes libres. Pour nous continuer libre. Et c'est narratif ça qui pour là, je veux dire. C'est ça qui pour apprécier comme message, comme discours. Parce que là, l'Union fait la force. L'Union fait la force, c'est pour vibrer, oui. C'est pour reconnaître qu'on doit unir au contour. Mais je veux dire, c'est pas l'Union fait la force, c'est liberté ou la mort. Parce que nous mourons déjà. Mais il faut nous créer la vie pour génération qui va venir. Parce que nous-mêmes, moi-même, avons, Madame Nyanik, si des bonnes générations, après 86, qui devraient être au sérieux, pas seulement font mouvement pour dire ma coupe par la donne et puis satisfait comme un slogan. Yo te gen un projet société, nous pas table la jodi, moi même avant nous pas table tout travail ça pour nous faire. Si après 2004, c'est pas séparé franchise, t'es un vrai projet société, t'es une justice sociale qui est établie, t'as bien égalité, chance à créer réussite, pas d'abri tout le monde ça va prendre un temps. Et je dis, pas de différence qu'a fait, parce que nous tous sommes impuissants, nous chaque sommes inférieurs. Nous pas inférieurs. Et nous faisons une émission à poter qui j'en diaspora avec la jeunesse qui a fait mariage changement. Parce que c'est yok de bonne foi. L'État n'a pas de volonté. L'État n'a pas de volonté. La jeunesse, ou doit construire volonté, ce n'est pas quitter pour quitter le pays. Non, c'est construire pour construire le pays. Parce que Dessalines, Pétion, Christophe, tout ancêtre nous honnête, c'est les têtes ensemble pour donner ça. Et nous, ça n'a pas. Ma et qui ça nous constate? Nous constate par rapport avec situation ça, côté que
Tout le monde attend l'État pour faire. Tout le monde attend l'État. Et par rapport avec problème de sécurité qui vient là, c'est l'État qui a une responsabilité pour porter sécurité en dedans pays, pour sécuriser la PNH là, qui a une responsabilité pour protéger via bien moun. Mais insécurité en l'irréel, kidnapping en l'irréel, et nous conscients que par rapport avec situation ça, son risque que chaque haïtien exposé vie exposé tête pour aller chercher la vie dans la rue pour aller vaquer à activité pour aller chercher manger venir mettre dans assiette pour payer l'école pour petit etc. Malgré situation yo brave danger yo prend la rue mais même haïtien ça qui chaque jour yo prend la rue aller vaquer activité yo gain risque pour yo prendre grain bal marron gain risque pour yo kidnapper yo pas peur yo sorti dans la rue quand même mais c'est même haïtien ça aujourd'hui. Nous mettons dans la catégorie majorité silencieuse, en moun sa yo qui était passif, qui pas fait un capitaine de l'État. Pourtant, où est genre facile pour yo aller chercher, pour yo aller faire petit job là, pour yo aller chercher la vie dans la rue. Mais, li paraît difficile pour yo réagir quand il s'agit de défendre les intérêts du pays. Li paraît difficile pour yo réagir, leur pour yo prendre la rue, pour yo faire voir, yo passer, pour yo défendre droit et liberté. Qui ça, d'après ou même jodi an là, qui mérite fait par rapport avec majorité ça? Au moins, bayo coup de booster. Ok, pour yon prendre conscience que bon travail qui doit faire, bon bagay qui doit faire pour payer et yon supposé impliqué yon là-dedans. Ok. Alors, j'en dis là, madame Yannick, insécurité a gen maman, gen papa, gen bopel, gen tonton, gen parrain. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que haïtien lambda qui pas qu'à chercher une cohésion sociale, un mouvement unitaire pour nous développer pays, pour nous retirer dans sa lia là, c'est pas sans raison parce que ou gagne une insécurité préfabriquée parce qu'elle préparait déjà une salaire qui vient faire que tout haïtien peut l'autre, nous jouons peut l'autre, et c'est ça que fait nous chercher manger, nous pas protéger frère non encore. Nous passons sous lit pour nous manger. Je vais expliquer mon bagage. Je dis à la, l'insécurité a trois têtes là-dedans. Il y a l'État, il y a l'international, il y a le secteur privé. C'est l'OPFEL. Et là, on a regardé qui vient chaque acteur, ça va commencer à responsabiliser l'autre. Côté que l'international a commencé à montrer le secteur privé à mes voleurs, lui montrer l'État à mes voleurs. Ou pas, on a même conscience collective haïtienne. Nous ne pouvons pas faire manifestation pour nous dire l'État a commencé à marier avec ça. Oui. Nous bien qu'on connaît ces films qu'on fait. Parce que nous te connaissons tout, nous avons déjà été volés. Nous te connaissons déjà. Et non plus les manifestations, de mettre photo, de mettre en bas, de te mettre tout bagaille, tout slogan. Mais tout le monde te dit c'est bagaille populaire. Mais c'est ça, Mgal Zonala. Nous toutes, nous venons construire un individualisme chronique. Nous venons pas ouais que l'autre là c'est frère, nous pas ouais que faut nous protéger, nous pas ouais faut nous remettre encore. Tout le monde a cherché à manger. Et c'est ça que c'est même si les gars qu'on lit, qu'on écrit, il y a l'école, il fait gros et classe, il est toujours est en grand goût parce qu'il est toujours construit un environnement de terreur. Ou quel secteur privé à l'État international là qui pas créer insécurité bah où, il crée terreur. Terreur là plus grave qu'insécurité. Ça veut dire même là plus profond de ton être. Ou instable, ou pas qu'à réfléchir bien. À chaque fois, qu'on pense à un projet sous long terme, ou bien t'en dit tout, bon, et gaz là, et insécurité là, et kidnapping là, ou bien t'en dit pas qu'il y a un bagage. Pendant ce temps, même chaque matin, on levé, on sorti, on réglé tout à fait, on rentré, et on pas levé, on pas kidnappé, on pas fusé, on pas assassiné. Ça veut dire qui ça? Camper, voilà, oui, pendant 5 minutes, et puis garder belle machine qui a passé. On pourrait plus que 20 millions de dollars machine passer devant, et ça pas rien. Imaginez dans qui ka machine ça yo pas qu'il dormi ça plus toujours ça veut dire gè combattre mais si cui qui gè richesse là le fermé ça veut dire jodi a faut nous prendre conscience que c'est pas tant pour tout le monde vient faire miracle pour nous c'est nous pour suspendre peur. C'est cette peur qui nous empêche de nous aider nous-mêmes. C'est cette peur qui nous empêche d'instaurer le développement dans ce pays. Et peur, ça, les sorties dans nous, nous pas, sorties dans nos oreilles, nous l'entendons des radios. Les sorties dans nous, nous pas qu'à planifier sur long terme. Et je dis, on nous servit avec l'émission ça comme prétexte pour nous retirer haïtien dans peur ça. Haïtien bral bon formule que les oponopoto. Au-delà de toute terreur qui vient dans le pays, au-delà de toute stabilité socio-politique, économique, on nous garde dans nous-mêmes comment nous puiser pour nous stable. Parce que la vie, pas seulement ça n'a pas vivre extérieurement, mais gagner planification intérieure, tout, gagner compréhension, gagner de tête, gagner l'amour, gagner pour tête. Et c'est ça pour nous cultiver. Haïtien pas aimé pour peut-être pas.
comment on va faire les pays pour contribuer à la donne pour bon changement? Haïti a cherché pour son monde tout le temps. Parce que pas ouais quelqu'un a construit un bagage légal, un bagage qui est normal. Parce que nous connaissons que c'est volé à qui nous qui modèle là. Maintenant, nous anciens qui ont dit que le bagage a commencé à gâter depuis 2004, nous avons cité directeur d'opinion, chroniqueur sportif, nous avons cité nos dilettes dans la radio pour barrer au champ. Et puis depuis là, ça, tout le monde dit que tout le monde n'a pas un secret polichinelle. Valeur revient vers ce qu'on y a. C'est pas une question de qui niveau d'études qui sont réalisés dans la société, qui bilan social, c'est qui quoi pour rien. Qui niveau sous-sous. Et pour l'argent, vient tout se mettre maintenant. Mais pour finir, comme là, ou à blanchir après. Qui vient faire que nous venons de jour en jour des bandits qui pigeonnent et des gangs qui pigeonnent. Et nous pouvons parler pour nous monter l'autre projet pour nous remédier à ça. Mes propositions, pas nous. Parce que nous connaissons nous-mêmes, nous constater, nous déplorer, mais il faut nous proposer tout. Et ces nouvelles générations, ça va chercher en Haïti. Des mouns dans les médias, des mouns dans le secteur économique, là, des mouns dans la classe politique, là, des mouns dans l'élite intellectuelle, là, qui peuvent seulement étaler les problèmes, faire mouns peur. Mais non! Qui viennent avec des solutions et qui ont courage à deux bras pour le système qui appartient à l'IA, pour inculquer une autre valeur. Ça par exemple, je dis à la Haïtien lambda, même ça a plus souffert à Paris Haïti, comment on peut le faire jouer nos pieds bois? Qui parle le soleil pour ne pas planter? Je pense que je dis à la fois Haïtien commence à investir dans le pays. Et c'est ça qui peut le faire que nous jouons une solution à ça, je dis à la. Terreur généralisée, ça, insécurité, ça, sont illusions liées. Parce que nous connaissons, mais nous avons tellement connaissons que nous faisons peur, nous ne pas arriver sur mais nous continuons à faire. Faut nous commençons à prêcher un discours qui n'est pas violence, mais qui c'est bon sens, pour nous dire que je dis en dorénavant. Dorénavant. Faut nous commençons à sanctionner des gens. C'est pas comme si l'État. Non, l'État va sanctionner, mais nous-mêmes nous sanctionnons. Ça veut dire, mais là, je nous attendons encore. OK? Nous faisons refus systématique à eux parce que nous savons nous comme énergie, devenons-nous impuissants, devenons-nous inférieurs. Faut nous commencer à dire des gens qui sont positifs, que nous attendons, que nous suivons. Parce que c'est ça là qui prend force. Nous sommes capables, mais nous ne croyons pas que nous sommes capables. Nous sommes capables, mais nous ne pas apprendre que nous sommes capables. Et c'est ça que fait Haïtien une formule mal appliquée. Ça l'a cherché à surestimer et ça lié à les sous-estimer. Pendant ce temps, c'est ça qui est à bon soir cherché à. Faut estimation de tout pour gagner une estime de vous-même, de valeur famille ou de valeur pays ou, et puis pour vous fierté. Et c'est fierté ça qui prend le fait que vous n'avez pas à vivre dans la terreur. Fierté, ça prend le bon, sécurité intérieure. Fierté, ça prend le bon, le temps, le calme intérieur pour planifier sur long terme. Et bien, nous perdons du calme, ça. Nous n'avons qu'une fierté. Je dis, on a plein de fierté dans l'État. Nous n'avons pas besoin, il faut nous chercher fierté dans nous-mêmes. Parce que Kotoye n'a pas défini Kotokalivé, mais c'est qu'ils ont géré Kotoye. Pas dans quelle génération spontanée, pas dans quel monde qui vit bien totalement en Haïti, même si elle est comme. Mais il faut bon point de départ. Et point de départ, ça, dit pas pour l'autre que nous, qui pour commencer à valoriser tête nous, valoriser famille haïtien, valoriser quartier haïtien, valoriser pays haïtien. Parce que quand on a boumé là, nous parlons des pays, on a pris un temps, l'ambassade suisse est dans ce pays fort là. Qu'est-ce qu'on fout nous? Ambassade américaine qui vient prendre la manette dans nous, construire juste sur rivière grise. Et puis, il y a une quatrième plus grande ambassade dans le monde là, à terre. Pour qui raison? Faut nous poser une question sérieuse. Faut nous gagner lumière, bon sens, pour nous planifier sur long terme. Terreur, insécurité, à cette la fin perdue. Parce que terreur, ça n'a pas réel. Tout n'est pas réglé dans la rue. Mais nous-mêmes, nous perdons du temps dans nos narratifs, plein tout le temps. Faut nous rebagayer sur long terme. Parce que. Grand question qui est extrêmement important parce que je voulais pour attirer attention et auditoire là sous lit. Jodi an la an de dans pays an, gen essai de jeunes de pouvoir parler avec yo, yo prêt pour yo dou pays an kokobe yo, Haïti kokobe, m pa wè avenir nan pays an. Soit le kòb li poko fin kont pou l'aller pou l'kite pays an, soit le poko gen kòb lan même li poko ka planifier voyage an pou l'kite pays an pou l'aller. Et qui ça nous constater? Nous constater par rapport avec situation ça. Autorité yo, soi-disant moun nou gen comme autorité yo, yo pa jam vini avec des politiques publiques pour yo di bon OK, mais OK nous constater gon fuite de cerveau de dans pays, mais qui ça nous pral mette et comme projet d'accompagnement, mais qui ça n'a vini avec comme projet côté que jeune yo ka implanté yo, jeune yo ka et vini, on prend fond bagay qui positif etc., jeune on débouché, yo pa fait bagay comme ça. Kounye an, ça qui est extrêmement important. Comme jeune ça yo a couru quitter pays yo pralé,
yo vin créer un climat côté que haïtien li pa retrouvé en Haïti. Haïtien pa gen aucune appartenance en Haïti. Haïtien jounen jodi an la, yo plus wè avenir yo de yo peyan que yo wè lan dan peyan. Tout moun a planifié un voyage. Gen dou, yo pral Mexique, yo pral tan en bas pont Texas, gen ki dou, yo pral Pérou, gen ki dou, yo pral Brésil, en Argentine, etc. Parce que jounen jodi an la, m vle pou et pas seulement tirer son aide d'alom nan non. Pour aller aux oreilles des séries de fanatiques, des séries de des séries de monde qui a regardé vidéo, a capté émission, parce que c'est extrêmement important pour nous inculquer moun yo des séries de valeurs, le sens du patriotisme. Journée aujourd'hui en la passé, je parlais avec moun yo qui ça haïtien l'a dit. Être haïtien c'est quoi avant tout? Bon, être haïtien, n'a pas aller dans origine, nous surtout dans et préambule constitution 1805 là et côté que Dessalines t'est énuméré dans en tête constitution, il dit que empire d'Haïti et il écrit Haïti H A Y T I et il dit que chaque premier empereur par la grâce de Dieu et par la loi constitutionnelle. Monsieur déclaré que tout nègre sous la terre de pour piloter ça ou libre. Et il était même son déclaration pour les Américains, regardez-nous, combien de millions d'esclaves gagnent dans le monde? N'a pas acheté par tête dans le monde. Et mais ça crivait. Nous venons payer pour casser et m'a rappelé à Haïtien Capitaine de Miosa. Et c'est là pour nous commencer même. Et c'est là que nous perdons la fierté, nous, lorsque nous commençons à perdre emblème et philosophie de Saline. Parce que réforme agraire de Saline de Palais, c'est lui qui justice sociale tout bon temps de Jodien là, n'est-ce pas, c'est démocratie cabale dans le monde, avec un goût pour instaurer. Écoutez, de Saline te guette en avance sous temps là. Et c'est ça qu'on a cherché pour nous implanter là, Jodien. Fierté nous besoin, conscience patriotique nous besoin, éducation à la citoyenneté nous besoin, faire pour tout le monde, pas fait, si nous continuons à mentir à tête nous. International la fête, on travaille côté que l'éliminer histoire non pour bon nous des fables que Dessalines c'était un barbare, mais non, Dessalines c'est une stratège militaire. Staline apprend de Dessalines, Che Guevara apprend de Dessalines, dans toute école de guerre sous la terre aujourd'hui, a quatre théories de Dessalines ont appliqué, théorie de la terre brûlée, guérilla, est-ce que t'as dit c'est Dessalines qui a inventé ça? Et bien aujourd'hui a nous conseillons des Haïtiens qui sous-sous, sortent depuis dans sa pique en lien pour arriver dans sa pique grand goût, qui font fait que on met négocier n'importe où on est avec eux, il y a 20 ou 9 millions. C'est pas même Haïti, non, Haïti a 20, là, il faut nous 9 millions. Et je dis à regarder comment si jeunes filles tombent dans la prostitution sans ou pas rendre compte, parce que vous avez un bon prétexte à chercher à manger. Chercher à manger, parfois, obligé de vendre un amour. Il faut bien dire, il faut bon parcours, construire l'histoire. Et bien, je dis à l'émission, ça n'a pas dit chaque grand haïtien, faut que nous tournions avec fierté de Saline Teguin, qui fait bien choisi pour nous. D'ailleurs, Dominique a 48 000 km, nous avons seulement 27 750 km. Et pendant ce temps, c'est là qu'il y a plus gros. C'est là qu'il y a plus gros réserve. D'ailleurs, si nous bloquons, puis pétrole à Kéen, Venezuela n'a pas besoin de pétrole. Vous pas comme ça? Et mais c'est sur ça pour nous construire fierté, nous. Sur ça nous qu'à faire ça nous y a dans le futur. C'est pas sur ça nous jouons là. Parce que ça nous jouons là, n'est pas bon. Mais est-ce que c'est ça nous jouons là, nous caguer ou bien nous mériter? Non, non, non. Nous méritons plus que ça. Mais nous pas jouons ça, nous méritons si nous-mêmes nous pas prêter tête au sérieux. Jeune, nous. Je dis à entrepreneurs, je dis à cap souffrir dans le pays parce que l'État va comprendre pas ma opportunité. Où doit mettre cette opportunité? Sans pas joindre, où doit créer? Parce que si pas joindre, nous avons mis un lot qui gagne intérêt pour utiliser, à venir montrer la barre, on ne s'arrête pas la faire. Mais si nous tous qui sommes dans la même situation, nous avons bon sens, nous faisons coopération, nous pouvons construire. Parce que pas de fatalité sur la terre, pas de fatalité. Tout autant une fatalité, c'est tout autant ou même dépressif, c'est tout autant perdu espoir. Mais espoir est au bout de la tunnel. Il faut qu'on avance. C'est devant lié, c'est pas côté. D'ailleurs, je dis, nous avons dit que nous pas des amis. Parce que toutes les amis, nous allons l'expliquer. Madame Yannick, insécurité a gagné en Haïti, je dis. Il sorti
dans l'international là. Parce que Haïti te gen bagou zam. Bon, l'ambassade Canada dit pas gen bagou zam encore, mais comme yon ba la vin tout non vide, ba yon apprécie Rudou et Blason, mais dernièrement, avant de ce président Jovenel Moïse, il a acheté 300 munitions pour l'armée. Là où vient l'ambassade américaine dit bah la police hôpitaux. Pendant ce temps, nous connaissons que le problème de gangsterisation de là n'est pas un problème de police civile. Ils sont problèmes militaires parce que ce territoire-là qui est assiégé. Et qui est-ce qui est assiégé? Son flip qui sortit de l'international, son complicité de l'État. Et puis, n'attendons ces mêmes mondes pour gérer nous. Non, il faut gagner une forme de conscience populaire, une éducation civique, une éducation économique. Parce que je dis à Haïtien, vous avez redéfini la façon de comprendre l'argent. L'argent pour un mauvais bagage, la richesse pour un mauvais bagage. Au contraire, c'est l'homme de pauvreté ou maudit. L'ignorance, la pauvreté, la maladie sont des signes de malédiction. La connaissance, le pouvoir et la richesse, c'est signe de bénédiction. Et Haïti, son terre qui bénit. Haïti, son terre qui est magnésium pour plus que 80 milliards de dollars américains. Pendant ce temps, développement dans la projection économique qui se fait là, pour Haïti monter sur le rail, développement nous besoin seulement 7 milliards de dollars américains. Et donc, est-ce que c'est bon problème bon sens ou bien son problème de fatalité? Nous pas condamnés, c'est bon sens qu'on cherche à gagner. Voilà le bon exemple, Madame Yannick. Tendez bien. International n'a pas fait investissement direct de 200 millions de dollars. Pendant ce temps, sous frontière seulement, on a perdu 600 millions de dollars par année. Frontière dominicaine seulement. Pendant ce temps, nous faisons commerce avec trois pays, c'est la République dominicaine, la Chine, avec les États-Unis. Ou pas besoin de garder qu'on a quand même perdu la douane sous question des États-Unis avec la Chine. Là seulement, sous frontière, nous avons perdu 600 millions. 600 millions qui étaient qu'à faire infrastructure, investir dans l'éducation, investir dans la santé. Mais je dis à mes amis, pas de politique sous bagage, ça, pas de monde qui prend conscience. Ça veut dire. C'est dans l'État encore. Moun sa ou qui des pertes, ça, c'est dans l'État encore. Nous pas qu'à construire une société, nous pas qu'à avoir l'État fort, le son pas qu'à délai, pas qu'à voler quand même. Pas chercher remède dans mes malfaits. Pas chercher remède dans mes malfaits. Parce que, soit chercher remède dans mes malfaits, la signe tout honnête, pour pas jamais faire ça encore comme égaré. Je dis, c'est ça qui semble pour rassembler. Nous pas doit chercher faire politique. Non, faut nous chercher faire éducation, Timonio. Et ça, c'est mon qui est clair pour faire. L'État pas capable. Parce que, si nous renforçons la famille, l'État renforce automatiquement. L'économie renforce automatiquement. Parce que je dis à la page du président d'un pays, mon président de l'élection pour aller fièvre en 2023, qui n'est pas le candidat, il va nous faire mieux sorti. Oui, tout à fait. Mais je dis à la, problème y aurait pendant, problème y aurait été là. Nèg sa pral vini, l'abdou li pa ka fin. Même si l'autre te dit pa ka fin. Définitivement, faut nous prendre tête au sérieux pour nous dire que n'a développé fierté. Fierté, ça c'est li pral premier source motivation. Nous pensons que c'est pas seulement vouloir un gros bagay, mais définir un plan pour gagner, c'est bien important. Je dis à la, nous voulons changement, mais nous pas parler pour nous montrer un plan de changement. Je dis à la, nous plan changement, li pa saute l'autre côté, la saute, mais je nous être tête, non. Mais je nous comprenne demain, non. Et je nous parler pour nous faire sacrifice pour lui. C'est pas que nous avons mis le goût pour aller dans la manifestation, bon maillot, bon. Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Nous, à côté de la plaque, je dis à la manifestation, pas qu'à changer pays. Hein. C'est une arme d'instruction massive pour nous créer. Pour les gens qui sont en train de lire, nous avons force pour montrer plus de monde. Parce que je dis là, il y a 3 millions de monde qui sont en train de lire. Et c'est pas le même chiffre. Et secrétaire d'État, sous question d'alphabétisation, c'est UNESCO qui va lire avec nous. Ça veut dire 6 mois, même nous ne pas combien nous y sommes sous terre. Quelqu'un qui dit 12 000, même combien nous y sommes, nous ne pas combien. Même moi, sous humain, nous ne pas faire qui s'agit là comme compétence. Nous ne pas combien qui est haïtien, qui est haïtien, pas haïtien. Nous avons un problème grave. Qui non? Résoudre le problème manger, c'est une. Mais résoudre le problème monité, c'est plus gros. Et moi, c'est ce problème monité pour nous résoudre le problème manger. Je dis à la résoudre le problème monité, c'est instruire Haïtien pour bien fierté. Pourquoi que 27 700 km2, ça n'a pas un hasard, c'est le souligne. Et c'est le souligne, c'est la première richesse. Et c'est la première richesse, nous toutes. Seuls gens nous aident, des pays, c'est prendre conscience que ce n'est pas extraterrestre, ni chinois, ni russe qui va le faire. Non, c'est nous. Et c'est nous, c'est là que nous commençons à comprendre que nous ne pouvons pas les familles mal. De ça, une bonne formule. Là. C'est trois bagages. Pas intégrer l'étranger à l'ancien. C'est seule justice sociale qui a fait nous Québec, union ça. Et puis, nous disons ça, il faut nous continuer travail entre nous pour nous baiter, pour manger pour nous indépendants. Je dis à la garde à cet haïtien pour comprendre la division. Là.
Gada c'est pas ici on peut dire étranger on peut tout bagarre on peut ça fait c'est la loi qui bloque nous là. Ça fait pas gain agriculture, ça fait c'est importation. Exportation nous moins 2 milliards, les dernières ton milliard, les allemands 2 milliards. Nous pas exporté du tout. Importation nous était 6 milliards, les dernières les allemands étaient presque 8 milliards. Pendant ce temps, ou pas qu'à joindre produit. Est-ce qu'on comprend nos causes? Visiblement la paix passé juste Haïtien li étranger dans propre pays, ça nous clair. Ça m'a expliqué au même, c'est fierté ça baguer pour nous aller chercher, c'est pas le goût mais pour manger non. Faut nous comme si ça nous faut pour nous capable de définir qui ça nous voulait. Dans le cas contraire, on a fait jouer tout le monde jouer paix. On a toujours tant au chef qui prend pour tout être dit et puis après ça le bateau était livré, nous trouver nous-mêmes. Nous ensemble nous trouver tête nous pour pays là. Faut nous faire sacrifice ensemble pour pays là. C'est pas c'est pour grain monde, c'est nous toutes. Et c'est ça qui message là. Parce que fierté pour gagner pour respecter Haïti, pour prendre Haïti comme gros bagage, pour pas courir pour lui là, pour dire moi-même, bon, par contre, ça ouvre les fesses, pas aller. Mais écoute, au final, il a voulu retourner, il a voulu retourner. Au final, il a commencé grand monde. Et bah, comme ça, et là, on a venu. Mais qui j'en a venu là? On finit là, l'El Pimal là, on nous suspend construit Pimal là chaque jour. On nous cherche des alternatives qui éclairent pour nous instaurer une croissance endogène dans le pays. La jeunesse, diaspora, même pour nous, on joue. Parce que je dis là, nous avons un défi historique pour nous lever, qui c'est rendre Haïtien fier et remettre Haïti sous carte économique mondiale là, sous carte touristique mondiale là, et sous carte diplomatie mondiale là. Mes défis. Donc, très bel discours, c'est pas seulement un discours, non? Mais à travers tout ça, parce que je dis là, et moi, retrouvé, à un certain moment, et moi, je suis souterrain, et déjà, je suis souterrain, parce que bataille pour Haïti, son bataille qui a fait chaque jour, son bataille côté que Nexayo qui a planifié, qui a un agenda pour yo, et dit, exactement, faut que nous gagnions un agenda par nous. Nous avons plein. Exactement. Haïtien, puis bon, plein, oui. Nous, gros, société. Mais pour éduquer, on ne peut pas plein. Parce que plein n'est pas résoudre rien. Exactement. Exactement. C'est fait, moun. C'est fait, nègre, ça, ouais. Nous diviser beaucoup plus. C'est fait, yo, ouais, faiblesse, nous. Et d'ailleurs, depuis, yo, ouais, faiblesse, nous. Il y a uni, yo, même pour yo attaquer nous. Et qui dernier mot, passé juste pour me quitter aller dans l'émission aujourd'hui là? Bon, nous pourquoi mourir, nous pas qu'à dire dernier mot, nous, mais quand même pour l'émission, on a quitté une parole forte, une parole vibrante pour Haïtien. Haïtien, bonjour. Suspendant comme si c'est le monde qui va le faire pour vous. Non, personne ne peut le faire pour vous. D'ailleurs, même pour une formule là. Si vous avez ça pour vous, c'est félicitations. L'offre est sacrifice, ma groupe agent de support. Ou c'est le vrai, yo tout félicitations et applaudissements. Mais même si ou pas joindre support, ou pas faire tout, même si vous plein pour expliquer ce support, pas joindre tout, on a besoin de ça pour on nous construit ensemble génération ça, génération qui vivent en Haïti, je veux dire, qui présent en 2022, qui rentre en 2023. On nous questionne tête, nous pour nous répondre deux questions. Qui ça nous vaut tout bon, qui ça nous voulait tout bon. Et depuis nous jouons une réponse à sans mentir. Sans mentir pour ne pas dire depuis la Guinée de ça c'est mentir, c'est pas ça nouveau. Valeur, nous c'est le premier peuple. Et ça nous voulait, c'est stabilité. Pas de monde qui a besoin de nous-mêmes. On prend tête nous au sérieux. Mes derniers mots pour l'émission aujourd'hui, hein, madame Yannick. Et merci. Non. Et merci à tout le monde qui t'étendait et qui comprend. Nous ne pouvons pas finir. Une dernière question à poser. Bam nouvelle café, non, parce que. Aïe. Moi, je dis, pays, ça fait des gens qui prêt pour faire 100 dans la tête, pour faire corvée dans la tête. Je dis à la, malgré les difficultés de gaz pour nous produire, mais café, nous avons toujours été doux bout. Nous avons toutes les limatures dans le carnaval market. Nous continuons à livrer, nous continuons à produire malgré la production de café en Haïti, presque retombe à tabou. Mais nous-mêmes, nous kembe. Parce que tout grand, passé par là. Première année, jusqu'à 5e année, Coca-Cola créé comme multinational, ils vendent seulement 20 bouteilles. En 5 ans, ils vendent 20 bouteilles seulement. Et je dis, c'est la 3e boisson qui plus boit dans le monde. Le café, comme 2e boisson qui boit plus après de l'eau, nous pensons qu'en Haïti, il faut nous retourner, jouer une fierté nous, dans la production de café, et café nous le vend. Et ça fait logique, nous, c'est la fierté haïtienne. Nous continuons à Québec, nous avons montré jeune et tout, il faut rentrer dans la production nationale, parce que nous jouons à Vinlaïo. Tu vas dire, ça va le café. Ce n'est pas optimisme.
Mais c'est planification mais qu'on est cap fait beaucoup de ces deux conséquent pour ça changer. Mais jour qu'à venir là nous devons la tête nous manger et nous mêmes nous commencer nous prendre devant café. Merci madame Yannick parce que café avec la diaspora. Oui, il y a des haïtiens qui rentrent, qui voyagent avec les pour vendre, mais nous-mêmes, nous pouvons exporter formellement. Eh bien, déjà, là, m'a encouragé et auditoire, fanatique TAC 509, moun qui remet émission, mon éditorial avec Yannick. Gon café là, 100% local, production nationale. Faut que nous encourager jeunesse. Faut que nous encourager pour café bagay qui positif. Donc, café nono, m'a recommandé nous. D'ailleurs, m'a disponible, depuis nous besoin d'informations sur café nono, écrit, m'rele, m'a redirigé nous, vers passer jusqu'à ba nous tout détail. Et puis, pour nous acheter café, pourquoi pas? Production nationale. Et c'est un plaisir parce que pour me te gagner avec dans l'émission, mais j'espère avoir l'autre occasion parce que genre de débat ça faut nous faire pour motiver le public là, faut nous faire plus souvent pour nous râler les oreilles haïtiens compatriotes nous yo parce que jodi là nous besoin des haïtiens conséquents, des monde qui conscient que pays a un problème et problème yo faut résoudre. C'est pas autorité de gringo ça qui va le résoudre, mais c'est nous-mêmes qui pour assumer responsabilité nous. Donc c'est un réel plaisir pour me te gagner. Et m'espérer non petit temps qui pas trop long encore n'a pas faire une autre séance de motivation, une autre séance côté que n'a interpellé conscience chaque haïtien, chaque grand citoyen. Réaliser définitivement faut nous faire travail ça et c'est nous pour bailler aux forces parce que on perdu déjà. Et merci Passeus, merci pour disponibilité, n'a croiser encore. Merci à TAC 509, merci à Madame Yannick, merci à mon édito. Et je pense que ce n'est pas la dernière fois, même si c'est la première fois, c'est une grande aventure qui commence comme ça. Merci en pile. Lumière. Mes amis, m'pas rien m'bra l'ajouter encore. Là, nous t'ap suivre émission, nous wè comment débattez, nous wè et discours Passeus. Li dit tout ça qui te mérite di yo. Sous vos questions, ou bon question ta remè pose, ou genye yon commentaire ou ta remè fè, etc. On ka toujours écrit dans le numéro émission, n'a parlé. Mais sou remè travail ka fait là, sou remè travail de conscience citoyenne ça ka fait là, conscience collective qui mérite pran, ça n'a prêché jounen jodi an là. M'ap invite ou continuer partager vidéo, à partager émission pour plus moun ka au courant, pour plus moun ka touché, pour plus moun ka conscientiser jodi an là. J'aime toujours remè dil Haïti besoin chaque grain petite li. Haïti besoin participation chaque grain haïtien, chaque grain citoyen nous gen responsabilité nous gen rôle pa nous gen pion pa nous pour nous porter dans nouvelle Haïti. Nous pas ka tout moun a courir aller puis nous espérons nouvelle Haïti en l'autre pays non. L'autre pays en pour le possible pour le fait c'est moi même c'est ou même c'est nous toutes. C'est nous toutes. On nous pas quitter moun intimider nous, on nous pas quitter acteurs ça intimider nous. Politicien ça yo kamokin ça yo intimide nous, c'est ça y a fait et c'est là dans yo pi fort yo là dans bien longtemps journée jodi an si ou après des séries de nèg qui t'a servi international là qui t'a fait job communauté internationale là qui t'a gagné agenda politique blanc yo t'a exécuté c'est eux même qui cap sanctionné c'est eux même qui prend table jodi an là et par rapport avec situation ça me toujours dit nous meilleure façon solution plus rapide nous capoter c'est impliquez-nous pour nous changer société pour nous avoir l'autre pays et nous parler pas prêter en pile et m'a fini avec les projets et fin d'année un projet et sous jour moi sous traditionnel là ou même qui veut supporter projet initiative là relais mes crimes dans numéro émission parce que projet est extrêmement important m'a rappelé m'a toujours douli gain plus bonheur gain plus bénédiction dans bail dans aider l'autre monde que n'en recevoir toujours attendre. Nous pas ouais, ça cap châtiment cap tomber sous politiciens ça yo tellement volé l'argent pays journée jodi an là. Si nous te gen autorité, nous te gen moun ki ta pense pour pays, ta pense pour moun ki pi feb yo, moun sa yo ki nan situation vulnérable, yo tap gen des maisons d'accueil ki la, ki ap supporte yo, ki ap accompagne yo. Mais non, nèg sa yo pa fanyen pour pays, yo pa fanyen pour société. Le peu que nous ka fè nous même na fèl, sans nous pas besoin gloire, sans nous pas besoin aucun honneur, on a voué fleur, reprendre, n'a fait ça nous qu'a fait avec faible moyen nous gagnons même qui veut supporter, qui veut aider. M'attend nous relais mes crimes pour dire mais comment ça fait. C'est un plaisir pour me avec nous, c'est un plaisir pour nous te passer moment ça ensemble côté que n'a pas les pays et a gagné pile l'autre occasion pour nous continuer parler sur situation pays. Merci tout le monde, à très bientôt. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remé pays, et bien on agit. Mon éditorial. Entre désespoir de machination.
débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Sorti le lundi pour y faire vendredi, depuis le fait 2 heures, monsieur Chanel par là pour qu'a bien informé avec Yannick. Mon éditorial. Nous bras la balle et pays, nous bras le fait débat, c'est toujours même Yannick l'en même voix. Oh yeah.